Debordo n'a plus de motivation par rapport à la musique. Il n'a plus de motivation. C'est comme, limite, je me dis qu'il est en dépression, mais comme c'est Debordo, il ne veut pas montrer. Son frère n'est plus. Depuis quand Arafat est décédé, là, Debordo a disparu. Pendant combien de temps avant de revenir? Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est cassé en Debordo. Il n'a plus cette motivation pour la chanson. Et quand les gens disent, non, il doit chanter, il doit chanter. Un artiste, c'est pas comme ça. Dans les années hautes, là, on a vu des artistes qui se suicidaient. Même dans le succès, ils se suicidaient. Parce que c'est dur. Il y a plein d'artistes qui se sont tués. Les Américains, il y en a plein. Il y en a même, ils ont fait le club des 27. 27 ans, ils avaient 27 ans et tous. Pourtant, ils étaient célèbres, mais ils se sont suicidés. Être artiste, c'est pas facile. Donc, quand les gens disent, non, ils chantent plus, ils chantent plus, c'est bien de... C'est-à-dire, quand tu n'es pas dans la situation, tu es de l'autre côté de la clôture, tu sais juger. Mais est-ce que vous savez ce que le monsieur vit en réalité? Est-ce que vous savez? Moi, quand je l'ai écouté samedi, j'ai dit, non, lui, là, franchement, il y a quelque chose qui s'est cassé en lui depuis la mort d'Arafat. Et puis, à Salfo, comme Alex l'a dit, moi, je suis de la maison. Mon papa organise quelque chose et puis il invite tout le monde et puis moi, il me laisse. Mais ça va me frustrer. Moi, je ne l'avais pas compris, mais c'est quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais il a raison. Tu dis que tu collabores avec moi. Il faut me mettre devant. Si aujourd'hui, un Sidiki Diabaté se permet de venir en Côte d'Ivoire et de se moquer de Debordo, c'est l'importance que nous, les Ivoiriens, même, on donne. Parce que souvent, quand il fait les vidéos, on va dans les commentaires, on voit. De toute façon, les gens ont poussé Arafat à la mort, là. Mais c'est pas les commentaires, c'est pas les vidéos que les gens ont poussé Arafat à la mort. Tes mots, il faut essayer de couler tes paroles. Ils ont poussé Arafat à la dépression et aujourd'hui, on s'est arrivé là aujourd'hui. Et puis tout le monde, du coup, est fan de lui. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec Debordo. Normalement, on doit le soutenir. On doit vraiment le soutenir. Moi, samedi, franchement, il m'a touché quand je l'ai expliqué. Je l'ai regardé. Il m'a touché. Je me suis dit non. Depuis son frère est mort là, il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Debordo, envoie, il sortait. Debordo, c'est un chanteur, c'est pas un DJ. C'est un chanteur. Parce que quand il chante sa voix, franchement, ça donne quelque chose. Donc moi, je sais pas franchement, les Ivoiriens, aujourd'hui, on n'a qu'à se lever, on n'a qu'à le soutenir. Pas à cause de celui qui Diabaté. Pas à cause de lui. Pas à cause du fait qu'il se moque ou quoi que ce soit. Pas à cause de quelqu'un, mais parce que c'est un Ivoirien. Et qu'il est pétri de talent. Faut pas qu'on laisse ce talent-là mourir en lui. Franchement, faut pas qu'il ce talent-là... En tout cas, reste comme ça. Parce que le monsieur, il est découragé. Il est découragé, non seulement parce que son frère n'est plus là, et aussi parce qu'il n'y a pas, en Côte d'Ivoire, on ne soutient pas les artistes. Les gens font des choses en forme propre. Ils préfèrent aller prendre les gens qui viennent d'ailleurs pour organiser leurs concerts, les sponsors, et puis laisser les artistes de là-bas. C'est tout ça aussi qui donne la force aussi qu'il y a pas de se moquer. Parce que quand tout le monde va du concert, tu vas voir les sponsors, les Orange et autres, là, ils vont venir plein. Mais quand un artiste ivoirien va dire là, il va se débrouiller. Tu as le voir en train de passer dans les bureaux des ministres pour demander des lettres. Donc, franchement, moi, je pense qu'on doit le soutenir. On doit vraiment le soutenir. Le monsieur, s'il voit qu'il y a l'engouement, il voit que les Ivoiriens a vraiment, dans les commentaires, dans les trucs, dans les anciens clips, pour rebooster ses anciens clips, il va avoir le courage de se relever. Parce que son frère est parti, mais c'est comme s'il est parti avec une partie de Debordo. C'est ce que moi, j'ai vu samedi. Il sait pas être Debordo, quand tu le vois, c'est un bété. Il va pas venir se morfondre. Les gens vont dire non, ah, il est trop faible. Il se joue les durs. Mais le monsieur, il y a une cassure à l'intérieur de lui. C'est ce que moi, j'ai vu ça. C'est ce que je voulais dire. Merci. 225, on vous écoute. Moi, je pense que nous, nos problèmes là, ouais, si moi, ça va pas, on sort pour parler. Mais quand ça va aussi, il faut qu'on a qu'à sortir pour parler. Affaire de Debordo qui est là. C'est vrai, aujourd'hui, on veut que Debordo n'a qu'à sortir pour faire quelque chose. Maintenant, demain, s'il sort qu'il a déraillé là, c'est nous, même, on doit parler de ça. Nous, on veut pas que un étranger n'a qu'à mettre sa bouche sur Debordo. S'il a fait qu'il ne s'est pas dans nos maisons, ça n'a qu'à rester dans nos maisons. Faut pas que quelqu'un d'autre va sortir ailleurs pour venir parler dedans. Ou bien si quelqu'un d'autre vient sortir ailleurs pour venir parler, faut pas qu'on va donner occasion à cette personne pour pouvoir se moquer de nous. C'est ce que moi, je parle. C'est celui qui vient. Qu'il vient parler si Debordo, faut pas qu'on va accepter. Quel que soit le comportement de Debordo, on reste toujours Debordo. On va jamais soutenir celui qui si Debordo. Même quand Arafat même vivait, Arafat disait toujours que quoi. S'il fait parler à Debordo, là, il dit, c'est mon frère, on doit se tutuer un peu pour qu'on puisse partir au travail. C'est ce qu'il disait.
Même s'ils font pas la peau, ils viennent se réconcilier. Ils disent, il doit le tutuer un peu pour qu'on n'a qu'à partir au travail. Que parce qu'on est là dormi, il faut qu'on n'a qu'à faire pas la charge pour que tout le monde n'a qu'à travailler. La lutte que nous on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est ce qu'Arafat menait avant. Mais avant, on n'avait pas compris parce qu'il n'y avait pas les réseaux trop. On a laissé le jeune seul, il a fait pas la seul, il n'a pas vu quelqu'un pour le soutenir. Jusqu'à aujourd'hui, les patrons ne... fait que parler de lui. D'ici ça va arriver, d'ici on serait les médecins après la mort, il est temps maintenant qu'on a qu'à s'élever. Non, on dit non. Un politesse, si notre pays là, on dit non. Celui qui ne respecte pas notre artiste, il n'a pas le droit de faire conseil dans notre pays. C'est ça qu'on doit dire. Quel que soit le comportement de Bordeaux, il chante ou il chante pas. Il a chanté un jour pour passer. Tu as dansé avec ça. C'est pas chanson de 2015, 2014 là que tu vas faire, que tu vas oublier les chansons de 2010 ou bien 2011. Ça, non. Ce qu'il va chanter aujourd'hui là, ça peut pas arriver ce qu'il a chanté en 2015 là. Jamais. Ce qu'il va venir chanter, peut-être c'est pour parler, mais ce qu'il a chanté avant intéressant que maintenant. Les chansons d'aujourd'hui, là, il y a quoi dedans même? Si tu écoutes les chansons d'anciennes, là, c'est intéressant que les chansons de maintenant. Donc, faut pas qu'on va venir dire qu'il chante pas, il n'a qu'à travailler. Ce qu'il a fait hier, là. Maintenant, là, si on veut qu'il n'a qu'à travailler, deux jours combat qu'on a commencé, là. On n'a qu'à s'appliquer, si ça. On n'a qu'à bosser, les anciens sont là. Cette vidéo-là, on n'a qu'à partir, mais soutien. On n'a qu'à l'encourager pour montrer qu'on est là. Quel que soit ton comportement, on reste toujours ivoirien. Tu es toujours notre artiste. Tu vas voir s'il va faire, s'il va travailler ou bien s'il va pas travailler. Maintenant, s'il vient travailler, qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est à nous de parler. C'est ce qu'on a dit. Si ça va pas dans nos maisons, c'est nous, on doit parler. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit mettre sa bouille dans notre affaire. Ça reste toujours notre affaire. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut. Puis, ça n'a qu'à se respecter comme ça. Siri qui, non, conseil en Côte d'Ivoire. Tant que tu nous respectes pas, pas de conseil pour Siri qui est en Côte d'Ivoire. Un point, un trait, c'est tout. Moi, j'ai fini et descends. Okay. Je vais parler demain. Non, attends, Ali va parler, attends, on s'est joué à tout de rôle. Ali! Ok, Mawa, on t'écoute. Mawa! Hey, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ok, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, ce que je voulais dire, les gens ont déjà dit ça, parce que aujourd'hui là, c'est comme quand tu es dans une famille, tu as besoin d'amour, et puis c'est même amour là, tu ne reçois pas là. Ça te fait dire beaucoup de choses en fait. Donc moi je pense que De Bordeaux, il a besoin de soutien, il a besoin d'amour. Voilà, donc ceux qui disent que non, c'est mamie, c'est l'autre là. L'essentiel, nous on pense que De Bordeaux, il reste tel qu'il est. Voilà, et puis il n'a jamais été hypocrite. De Bordeaux n'a jamais été hypocrite. Ce que De Bordeaux voit là, c'est ce qu'il dit. Si De Bordeaux était hypocrite là, ce que son papa Hassan Fou a fait là, il n'allait pas faire caméra pour son vous papa, dénoncer ça. Son... Il a dit c'est son papa. Il dit c'est son vieux père, là-bas c'est son papa. Non, quand il dit son papa, ça veut dire que c'est signe de respect quoi, voilà. Et pas dit forcément que ça veut dire que c'est lui qui a mis au monde. Donc c'est pour dire qu'il n'a jamais été hypocrite. Ce que De Bordeaux voit, c'est lui qui prend sa caméra et puis il dit. Donc c'est déjà un courage de sa part. Moi, je pense que nous, les Ivoiriens, on doit le soutenir aujourd'hui, on doit le soutenir demain. Qu'il rentre en studio, il n'est pas en studio. Tout ce qu'il va dire là, nous, on doit le soutenir parce qu'on dit d'abord Ivoirien. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai à dire. Soutien total à De Bordeaux. Zumbi, merci. On vous écoute, oh. Zumbi. Merci, merci Mama. Zumbi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour d'avoir me donné la parole. Moi, ce que je voulais dire concernant De Bordeaux, depuis la sortie de Bordeaux, les gens disent il est là pour faire polémique, il est là pour, il chante pas, mais il va chanter comment? Un artiste dans son propre pays, s'il est boycotté, s'ils sont là saboter ses œuvres, il va chanter comment? On se lève pas comme ça pour chanter, on se lève, on chante lorsque on est soutenu. On chante lorsqu'on est soutenu. Et ce qu'il est sorti, il a dit, il n'y a rien de mauvais. Il a rappelé à celui qui l'a laissé que voici ce que j'ai fait pour toi. Quand Arafat est parti, là, tous les Chinois disent, tu étais là-bas, on voulait te faire ça. Tu t'es servi de moi. Aujourd'hui, il y a un mouvement, tu ne m'as pas appelé. C'est tout ce qu'il a dit. Où est quelque chose de mauvais? Il n'y a rien de mauvais. Et en remarquant en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, quand quelqu'un
un peu à côté, on lui donne quelque chose là. Tous les Ivoiriens soutiennent ça. Mais un frère, un Ivoirien digne, s'il a quelque chose, on ne soutient pas. Mais pourquoi? Pourquoi dans nos propres pays là, on doit jeter nos artistes à la verdie populaire, au détriment des autres? C'est lui qui Diabaté, mais qui est l'insulté de Bordeaux là. S'il y a un problème, ils vont l'inviter. Et puis, c'est pas n'importe qui l'invite. C'est les autorités qui l'invitent même dans nos pays. Et puis, c'est l'argent qu'il prend pour partie. S'il n'y a personne pour le soutenir, pour lui dire la vérité, lui-même, il sort. Et puis, il dit ses vérités. À ça, le fait, mais il a foutaise. Karna, on te confie Karna. Les artistes qui sont là. Qui prend, même ses amis Jougrouman, il ne les a pas pris. Ils sont allés prendre les artistes ailleurs. Et puis lui-même, il va supporter les éléphants. Il a deux maillots. Il a un maillot de son pays originaire. Et puis il a un maillot de Côte d'Ivoire. Mais de Bordeaux, il a un seul maillot. Là, quand j'ai dit la vérité, c'est genre de personnes. Quand un artiste n'est pas net, c'est tous les Ivoiriens se mettent sur toi. Et demain, c'est eux qui vont dire, si c'est de l'autre côté, on dit, on n'a qu'à les chasser. Oh, vous les soutenez. Vous voulez tuer vos propres frères pour eux. Et puis de l'autre côté, vous voulez qu'on les chasse. Qui va vous soutenir dans ça? C'est pas normal. Si la dame là, si elle a vu, si la dame a vu qu'il y a les gens qui ont écrit commentaire que de Bordeaux n'a qu'à mourir, elle n'a pas menti. C'est arrivé ici, ils sont allés saboter maintenant et puis ils ont changé leurs paroles. C'est comme ça et puis c'est ce qu'ils ont fait et puis Arafat est parti. C'est pas bien comme ça. Arrêtez. Moi je vais pas monopoliser la parole. C'est là je m'arrête. Ok, merci. On passe la parole à maman Philo. Moi, c'est maman Philo, tu es là, on t'écoute. Alès a dit tout à l'heure qu'on doit soutenir, je sais pas si mon français, c'est moi, je le parle mal. Qu'on doit soutenir de Bordeaux, nous tous, on est pour de Bordeaux. De Bordeaux, c'est que les Ivoiriens l'aiment. De Bordeaux, c'est personne ne peut dire autrement. De Bordeaux n'a jamais fait concert au palais de la culture, puis il a tapé poteau. Jamais. Il sait que tout le monde l'aime, Mimi. D'après lui-même, il sait. Comme il a besoin de titiller, là, tout le monde n'a qu'à commencer à le titiller pour qu'il se réveille. Avant même de Bordeaux, il allume sa caméra pour pouvoir animer même Facebook. Il a combien de personnes? Il y a des sons de Bordeaux à faire sur Facebook, mais qui n'est pas encore sorti. Comme par exemple, Suzanne, là, c'est pas sur Facebook qu'il a créé. Suzanne qui m'a frappé là, c'est sur Facebook qu'il a créé. Il faisait ce son là comme ça. Toujours on aimait de Bordeaux. Non, mais il a fait ça sur Facebook comme ça ce jour là pour ambiancer Facebook. C'est ce que je veux dire. Il a fait ça sur Facebook. Il a chanté. Oui, il a chanté ça sur Facebook. C'est ça, il a dit, c'est pour un Camerounais, il a repris. C'est pas voilà. Il a fait ça sur Facebook, rien comme ça, cartonné. C'est ce qu'on demande à Mimi. On n'a pas dit n'a qu'à chanter ou wow. Mais ce qu'il fait, les petits trucs qu'il faisait pour nous animer, on a besoin de Bordeaux. Tu sais, un artiste, quand tu parles pas, tu chantes pas, tu meurs. L'artiste, c'est la parole, c'est la chanson. C'est ce qu'on demande à Mimi. De Bordeaux, faut te réveiller. De Bordeaux connaît les Ivoiriens que nous. De Bordeaux, là, il nous connaît que nous-mêmes. Nous, ce qu'on demande à De Bordeaux, nous, on peut pas, aujourd'hui, De Bordeaux ne peut pas faire conseil. Puis nous, les Ivoiriens, on va laisser le conseil de Bordeaux pour aller dans Sriki. Sriki même sait ça. Nous, ce qu'on demande à De Bordeaux, de se réveiller. De se réveiller. Que les Ivoiriens l'aiment. On l'aime, c'est ce que je disais. La paresse qui est en lui, là. Que le Seigneur fasse que ça le libère. Faut pas qu'il regarde le milieu showbiz. Qui fasse ça pour les Ivoiriens? Pas le milieu showbiz, qui fasse ça pour les Ivoiriens? Nous tous, on l'aime, Mimi. Mais que Mimi se réveille, Mimi est endormi encore. Mimi, réveille-toi. Si tu vois celui qui vient parler là, c'est parce qu'il sait que Mimi ne chante pas deux jours là. Si Mimi chantait, c'est qui va écouter? Celui qui? Il n'a qu'à faire sortir un petit beat seulement, il va voir deux jours là. Il n'a qu'à faire sortir un petit beat, lui-même il va voir. Ce que je peux dire à De Bordeaux, qu'il se réveille, c'est tout. Le sommeil profond, là, c'est pas bon pour l'homme.